année, le Moloco, espace musique actuel du pays de Montbéliard, le label V2C et le collège Jean-Jacques Rousseau à Fougeaucourt se sont associés pour développer un projet autour de l'artiste Dudy. À travers différents temps d'échange, de rencontres et de pratiques, les élèves d'une classe de 4e ont découvert un univers artistique singulier et expérimenté différentes disciplines jusqu'à la création d'un spectacle. Et on s'est dit que ça pouvait effectivement intéresser beaucoup les élèves parce qu'on rentre dans leur univers et en même temps ils apprennent à le décrypter cet univers parce que souvent ils reçoivent des choses sans savoir d'où ça vient. Pour nous c'était important cette démarche créative et de compréhension. Alors c'est un projet qui s'inscrit dans une logique d'interdisciplinarité. On a des profs de musique, des profs de sport, des profs documentalistes, des profs de lettres. Et l'idée c'était de co-construire ensemble, avec aussi V2C, qui est le label qu'accompagne l'artiste Dudy, un projet où chacun peut apporter ses propres compétences et s'y retrouver tant en termes d'objectifs que de déroulés. Qu'il soit dans nos locaux, avec son matériel, ça change aussi la donne. Tu vois, on voit vraiment l'artiste qui est là. Son matériel est là et là, il donne complètement. Oui, non, moi si j'avais eu ça à l'orage, je pense que je me serais engouffré beaucoup plus vite dans le milieu musical. L'action culturelle, c'est l'ensemble des projets qui peuvent être menés dans le cadre de la découverte artistique ou d'une mise en pratique entre des populations, des partenaires, des artistes sur un même territoire. Il y a beaucoup de gens qui, en pratiquant la technique, vont développer une créativité. Donc. Ça a permis de découvrir les élèves autrement. Je pense que c'est un beau projet, ouais, je pense qu'il faudrait même le développer avec les enseignants. Je trouve que il y a une belle osmose. Le but, c'était de monter en une semaine comme un petit spectacle où tout le monde avait un rôle à jouer. Alors dans des actions différentes, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment que tout le monde fasse quelque chose sur scène.